je fais mon, ma lumière. Pas traverser la mer avec ce bateau-là. Pourquoi? Oui. Pour le moment, non. Mais après, oui. Pour le moment, parce que c'est en chantier, là. Mais après, oui. Ah, oui. Ah, il tourne, tout va bien. Ah, oui. C'est un beau métier. Bah, avant, pêcheur. Ah, pêcheur, c'est depuis l'an 2000, ça. C'est pas... Il n'y a pas longtemps, le pêcheur. Ah, non? Non. Bah, hein? 17 ans, quoi. Ouais, ouais. 12 ans à mon compte et 17 ans dans le métier. Ouais. Installé encore. Non, mais soyez chez nous. Non, non, moi j'enlève les miennes, mais non, pas soyez soucis. Chez moi, c'est pays que chez vous, c'est seul. Ça ne vous importe. On était en bas, à côté, en face de la maison du parc, et avec les deux, c'était plus possible. Donc là, on est arrivé là, le 1er juillet. Ok. Ouais, donc c'est, voilà. Donc, c'est tout frais avec la saison. Là, monsieur n'avait pas trop le temps. Tiens, attends. Dedans, d'accord. Tiens. Mon papa. Papa, il fait la cuisine. Me. Ta vache, oui. Ça sent déjà bon. L'oignon, l'ail, un peu de Provence, ça sent toujours bon. C'est gagnant, gagnant. Un bolo du soir. Ouais. Est-ce qu'on fait la photo avec des paniers à champignons. C'est mon homme, en fait, qui devrait faire la photo ici. Ok, t'es un peu, je vais arranger mes affaires. Ok. Ah, c'est super beau. Un peu de bordel. Non, regarde. C'est de mal à personne. Regarde, c'est beau. C'est tes outils de travail, tu sais. Celui-là, c'est le mien perso, mais ouais, j'ai l'intention de le vendre pour acheter un voilier pour mon fils. Quoi. J'ai un fils qui a 15 ans, et comme mon appartement est trop petit pour qu'il ait sa chambre et son endroit à lui, ben, je vais vendre celui-là pour acheter un truc plus grand, plus habitable, pour qu'il ait sa petite maison. Quoi. C'est magnifique. Il y a des petites boîtes avec les... Tu sais, ça va bien aller dans toute l'affaire, c'est l'esprit. Ah, moi, un atelier comme ça, ça me fait triper, je trouve ça... Il y a de la vie, hein. Ouais, Je passe ma vie. Alors là, c'est pas rangé parce qu'on termine la saison, quoi. Mais après, bon, évidemment, quand on bosse, on essaye de ranger un peu mieux, quoi. Mais bon, comme t'arrêtes jamais de faire de la mécanique et tu ramènes des trucs et t'en enlèves et t'en remets, c'est tout le temps le sucre, quoi. C'est magnifique. Ok, Agar, on pourrait faire une photo de toi, genre, tu sais, comme ça, à côté, c'est sur ton ouvrage, hein, tu veux. Comme ça? Ouais, super. On s'est pas fait en tout temps, d'ailleurs. Et quand j'ai été recruté, j'ai dit à ma patronne direct, je lui ai dit, mais moi j'ai deux animaux. Et on s'est entendu, mais je ne serais pas avec les autres. Ouais, j'en ai deux. Ouais. Il y a elle et puis un rouquin maléfique. Quel âge sont tes gosses? 5 et 8. Eh mon Dieu, c'est jeune ça. Deux garçons, plein de vie. Oui, c'est sûr. Plein de bordel, plein de conneries. Ça fait combien de temps que tu es ici, toi? Un an et demi. Un an et demi? Ouais, un an et demi. Tu viens de Paris, c'est ouais, ça? Ouais, Paris, puis après 10 ans du Sud. 10 ans du Sud? Ouais, donc t'étais un peu habitué au sein. J'étais à Ville-la-Selle. Ok. J'étais en 5 étoiles. Là, je suis arrivé. On peut aller faire des photos en bas. Vas-y. Excellent. Ouais. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Ouais. C'est moins pire que d'aller chez le dentiste. Ouais, je crois. On
donc moi j'ai mis le pied, premier pied, et je me suis dit, ah ouais, c'est... j'avais le cœur qui battait, c'était là où je voulais vivre, quoi. Et t'étais jamais venue? J'étais venue, mais très jeune, avec mes parents. Bon, j'étais petite fille ou même bébé, parce que mon père est... Il a toujours été dans les bateaux, etc. Donc on faisait beaucoup de convoyages et on passait... Porquerolles, c'est un peu le passage obligatoire, quoi, avant de partir vers la Corse, etc. Et donc du coup, on s'arrêtait, mais... Là, c'est vrai que c'est une qualité de vie qui est merveilleuse, hein. Du coup, ça fait combien de temps? Donc là, ça fait 6 ans, mais j'avais attaqué ma 7e année, là. Voilà. Ouais, j'aurais mieux rangé, hein, si j'avais... Bon, après, voilà, c'est une maison de saisonnier aussi. Hein. Ouais, c'est ça, toi, tu vis pas là toute l'année. Ben là, maintenant, si on le garde, celui-là. On le garde, ça y est, on s'installe enfin à l'année. Ouais, je t'ai balisé à l'hiver et ici l'été. Bon, cool. Belle vie de gypsy. J'assume. Ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans cette année, et puis ouais, j'ai rencontré ma copine aussi ici, ma première saison. Voilà. Puis ouais, après le fait de faire de la musique ici aussi, ça a permis de faire beaucoup de choses. Et regarde moi donc. Et sans parler. Sans parler? Non. Allez. Bon, un porcin? Bah, je sais pas, ça va? Je sais pas si ça va. Drôle de question. J'ai dit, peut-être qu'ils viennent pas. Mais ouais, c'est ça qu'on va mener. J'étais soulagé. Ouais, vous avez réfléchi où vous allez m'emmener après? Au bout du monde, ça vous va? Ouais. On va à la repentance. On va aller là-haut parce que ça retrace les souvenirs d'enfance. Avec qui on allait, les copains là-haut. Quand il faisait trop chaud sur le pont, on montait là-haut, se mettre à l'abri dans les souterrains. Non, je chante pas, moi. Non, je chante plus. Bon. À l'heure de mon trépas, ne vous empressez pas de me conduire en terre vers le vieux cimetière, où le tombeau m'attend, mais en s'y entassant, je pourrais déranger les parents. Je voudrais t'enterrer sur le haut d'un sommet, reflet de mon enfance, à l'ombre du grand pin, auprès du souterrain du fort de la repentance. Voilà. Moi, bon, après. Merci. Hein? On continue ou on s'arrête? Un peu. Bon. Alors ne montrez pas, ne vous empressez pas, de vous conduire en terre dans le vieux cimetière, où le tombeau m'attend, mais en s'y entassant, pourrait déranger les parents. Je voudrais t'enterrer sur le fond du sommet, au fait de mon enfance, à l'ombre du grand pin, auprès du souterrain, du fort de la repentance.